Right, ok, merci d'être venu à cet événement hélico-porté. Fait que, on va commencer ça vite vite, la sécurité. Fait que tout le monde, les lunettes en tout temps sur le terrain, partout. On les enlève jamais. Alright? Ensuite de ça, on ne tire pas sur les hélicos. On va se dire tout de suite, ça ne tombera pas. Gros Thunderbee, c'est tout. Non, no joke. Ça se peut qu'à m'amener, à cause qu'on a un petit peu de restrictions sur le landing, ça se peut qu'à m'amener à atterrir proche de vous, ben là, vous devez faire semblant. Là, c'est le seul bout que vous allez faire semblant de vous éloigner. Profitez du spectacle, là, puis. Vous avez peur, vous sauvez, vous ne regardez pas. Mais vous pouvez filmer, tout ça, ça serait cool. Vous n'avez pas payé, ben c'est. Mais faut pas regarder. Ce que je fais. Non, GoPro fonctionne. Ouais. Elle filme en ce moment. Quoi, c'est toi qui avait marché sur l'homme? Fait qu'ensuite de ça, bon, ok, là, les règlements, là, les blind fire, y'a tout le monde qui savent pas c'est quoi. Ok, good. Blind fire, là, c'est ici. Je tire comme ça. On en regarde toujours ce qu'on tire, on sort la tête. Pas de tir comme ça. C'est bien, ça fait du. Comme ça, en sauvant. On travaille la vitre, ça fait-tu? On travaille la vitre pour le loin. C'est là. Good. Puis après ça, ensuite de tout, on est ici pour avoir du plaisir. Ouais. Je pense pas que personne va écraser aucune autre équipe, là. C'est un scénario anti-race. Ça va durer 15 minutes. Ensuite de ça, on essaie de ça. L'airsoft, là, ce qui est le fun au airsoft, un bon joueur d'airsoft, c'est pas un gars qui tue 500 personnes, c'est un gars qui lève sa main quand il est touché. Fait que tout le monde, on se la joue gentleman, fair play. Attends, et moi, j'ai pas gagné. Ici, c'est une zone, c'est une frontière, ok, qui appartient à l'autre bord. Ici, c'est russe, ici, c'est ukrainien, ok. Fait qu'en ce moment, le temps peut juste prendre les routes qui vont être ici, là. Puis leur but ultime, c'est d'avoir la route de ravitaillement pour pouvoir mettre la pression sur le village. La route qui est ici. Fait que pour ça, il va falloir que vous pogniez des flags. Chaque flag, c'est 60 minutes de temps écoulé. Pour ce qui est de l'autre équipe, des Russes, eux autres font juste vous neutraliser. Ok? C'est deux flags à la fois. Fait que le SHERIF ne peut pas gagner en 15 minutes. Fait que, exemple, on commence, il y a la série drapeau 1. Il y a un A, un B. Là, vous les voyez, Noé, sont ici. Un A, un B. La game start. Ok? Vous pèsez dessus. Fait que là, le monde qui aime ça tirer, pas compliqué, là. Allez pas vous tirer ici, allez pas défendre le 3. Ils peuvent même pas y aller, ils peuvent même pas l'activer. Le poteau sera pas mis. Vous jouez juste les flags 1 jusqu'à temps que les 60 minutes soient écoulées. Après ça, c'est le flag 2, il se fait péter, il y a deux autres flags 2. Si ces deux-là pètent, on tombe sur les flags 2. Fait que l'action, elle change de place toujours dans la journée. OK? Là, mettons, les flags 2, ils arrivent, OK? Pac, pac. Longe là. Si on la route au complet, c'est là que votre chauffeur il a le droit de prendre cette route-là. OK? Right? Puis en plus, peut prendre les routes du village. Mais les Russes, eux autres, peuvent toujours sortir du village parce que c'est des enculés. C'est bon? On a une fois que 60 minutes est passé. Thank you.
m'entends pas. J'entends pas, désolé. Parfait, merci, bye. C'est tout. Ouais. Descends deux secondes, je vais t'en reprendre. Okay. Je te remercie d'avoir filmé, man. C'est rien. Si vous avez un jour une page Facebook, coupez ça. Ouais, on a un Dropbox pour les vidéos. Ok, je vais l'uploader sur YouTube. Ok. Ben, nous autres, sur Facebook, tu fais FAQC, il y a deux groupes. Il y en a un que tu peux poster tes affaires, puis il y en a un que c'est juste privé pour les gays. Ok. FAQC, puis il y en a un que c'est groupe de discussion, tu vas pouvoir la mettre. Ok. Ou bien contacter un admin pour te marquer la Dropbox. Compte d'admin, je suis dans 4 roues, désolé. Maillot à vous. Maillot à l'écoute. Je vais être porté pour mon virer pour être dans le champ. Ok. Mayou à l'écoute, Mayou à l'écoute. Bon, ici l'équipe vient d'appeler un hélico, on vient de sécuriser notre sortie, mais on n'a pas de comme radio pour pouvoir communiquer avec notre moyen de transport. Vous vous arrangez ça quand tu veux? Oui, Channel 2, vous allez être en contact avec le Toffel. Les gars de véhicules sont là-dedans. À vous, bye. Channel Radio 2, Channel Radio 2, vous allez parler au Toffel. Message reçu, terminé. Excuse-moi, tiens-toi. Oui. J'ai déjà assez de mag, je suis léger. J'ai tué 5 gars dans la là, puis il y en a un. J'étais assis droit, carré, tout. T'étais en dedans? Non, assis là. Tu vois la touffe qu'il y a là? Ouais. J'étais assis là, carré. Nice. Il y en a pas un nous autres qui est un médic, mais on a tout un bandage pour aider un médic. Oui. S'il y a un blessé, il y a 3 minutes avant de mourir pour de vrai. Une fois qu'il est bandé, il faut le tenir pendant 1 minute. On n'a pas le droit de le lâcher. Si on le lâche, on l'échappe pour commencer. C'est bon. Tu n'as pas le droit de tirer en même temps? Ouais, sûrement. Toi, tu peux tirer, mais pas lui.
Oh my god! Thank you.
J'étais sûr que c'était des ennemis. J'avais mon mag prêt. J'étais le fuck. J'ai passé des real caps et juste 30 balles. J'ai 22 balles là-dedans. J'ai un mag. Hein. 30 balles pour un full auto, c'est pas beaucoup. Tu joues en semi, toi? Ah, j'ai joué en semi, mais là, ouais. Je m'attendais à ce qu'il y ait genre 5 gars contre moi, fait que je me suis mis en full auto. Hein? T'es-tu là depuis longtemps? On est allé réactiver le bunker. Ok. On est allé réactiver le bunker, puis on a fait le tour, on est revenu. T'es avec une gang, t'es seul? J'étais avec mon squad qui était là, mais sûrement qu'ils sont allés au radar.
3 minutes. Si tu veux vraiment attendre, t'as 5 minutes max pour être